Salut à toutes et à tous, c'est Koinski. On repart avec Autonauts. Alors, on va créer un nouveau robot pour ramasser les cœurs et les mettre dans la machine directement. Parce que ça me prend vraiment trop de temps. J'ai quasiment fini. On va le faire, on va l'assigner dans ce coin-là et simplement lui mettre cet ordre très simple. Ok. Livreur de WUV, puisqu'il s'appelle comme ça dans le jeu. On enregistre. Il va venir ramasser un WUV et il le livre dans la machine. Pour toujours. Et la zone, bah, autant mettre une zone maximale. Si on a qui traîne dans le coin, on peut les prendre. Voilà. Ça paraît bon. Bah, il va s'en occuper. Même 50, j'ai pas envie de le faire à la main. Pendant ce temps-là, on va progresser. Alors, j'ai regardé un petit peu mes besoins pour toutes les nouveautés que j'ai débloquées. Pour l'instant, je peux pas vraiment les faire. Enfin, il y en a que je pourrais peut-être, mais utilement, il faut que je fasse les champignons. J'en ai besoin pour débloquer le prochain ici objectif. Donc, on va s'y mettre. Peut-être que je devrais faire... On va d'abord lancer ici la plantation. On va continuer. Donc, hop. On va modifier ceci puisque maintenant la mise à nu de la terre, elle est faite. Donc on va plus chercher terrain. Ok, ça va être. Il faut que je prenne un objet. Il faut que je prenne une pelle également pour m'en servir ici. Voilà. Ceci. Ça, la proximité, et plus terrain. Terrain, c'est quand on a une structure d'herbe dessus, une texture d'herbe plutôt. Donc ça va être sol à proximité, déplacer vers sol, utiliser l'objet, et on va définir ça évidemment comme ceci. Boum. Ok. Bah, ça valait la peine de le faire rapidement. Évidemment après il faudra encore planter. On aura le temps de faire ça plus tard. Il me faut un nouveau robot pour m'occuper des champignons. Les champignons seront plus compliqués, on l'avait vu la dernière fois, parce que il faut pouvoir replanter un des deux champignons que on déterre. Mais ça va pas être très, très complexe pour autant. Hein. On y va, on y va. Trois planches et il manquera juste un poteau. Donc j'ai compris pourquoi ça s'appelait équipement rudimentaire, parce qu'en anglais c'est gear je pense, et que gear ça veut dire équipement mais ça veut dire également engrenage, donc je pense que la traduction est juste mauvaise à ce niveau là. Ok, un nouveau robot, où est-ce qu'on va le faire faire les champis? On a déjà un petit peu qui sont plantés là, donc ce serait un peu dommage de les recommencer ceux-là. On va se faire un petit carré ici. Et ce carré, on va pas le faire trop grand. Il me faut 20 champignons plantés. Donc si je fais du 4 sur 4, ça me fait 16. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4 qui seront déjà plantés. 1, 2, 3 qui sont déjà plantés, mais donc c'est bon. Je serai encore bon. Donc on va faire un petit carré de 4 sur 4 tranquillement. Même si comme je vais le faire automatiser, franchement on pourrait le faire plus grand, mais... Et quoi, je pense qu'on va le faire plus grand. Et on va le faire aligner sur l'autre parce que je préfère. Je suis un peu maniaque. Donc, je vais aller prendre mon outil. Une pelle. J'aurais pu, quand il avait fini de travailler celui-là, lui donner une nouvelle zone. Mais, oula! Oh! Allez, on va ranger le bâton. Comme ça, la pelle, je peux la ranger dans mon dos pour arrêter de faire des trous partout. Voilà. Mais je préfère qu'on ait deux robots, parce que sinon, ça va être trop long. Le MK22. Alors. Il va venir creuser le sol. Thank you.
D'accord. Terrain proximité. Donc ça va être... Alors on va faire la même chose, mais un peu plus loin comme ça. On va laisser un petit espace. Oui, non, là je fais de nouveau avoir. Là, le carré il est comme ceci. Là, je pense. Ça m'a l'air bon. Terrain, déplacer vers terrain. Ça c'est bon. On va rajouter... Donc ça c'est juste que avoir les mains vides. Et si on a les mains vides... Si on a les mains vides... On vient chercher ici... Une bêche. Non, pas ici, là. Ok, et ça on répète toujours. Et je crois que c'est bon. Il est venu prendre sa bêche. Voilà, il va commencer à travailler là-dessus. Tout le ouf a été mis, ça c'est bon. 31 sur 50, donc ouais, il y a encore du boulot. On peut aller chercher. Ça marche. Ça c'est bon. Donc si j'étais courageux, je ferais deux chargeurs de plus et on les configurerait comme les autres. Qui se rechargent l'un l'autre. Ce serait en définitive ce qu'il faudrait que je fasse. Après, quand tout est arrêté, ça va relativement vite de relancer la machine, honnêtement. Voilà, ça creuse. Je pourrais déjà manuellement replanter. Cool. Je vais aider pour les champignons après parce que ça va avancer tout seul maintenant. Je vais commencer un petit peu à planter à la main en attendant qu'il fasse le grand carré, d'accord? Ça, on aura déjà quelques récoltes. Donc ça va venir comme ça, donc ceux-là on va de toute façon les dégommer, hein, mais il faut d'abord que je prenne ma pelle, hop, et on va commencer à faire des trous ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, 7, de nouveau, zut, qu'est-ce que j'ai foutu, je vais redéfinir la zone moi-même à la main parce que ça m'énerve. Il veut plus parce qu'il est parti. Allez, termine ton boulot. Mais non! Mais... Oui, c'est lui que je veux. Pourquoi tu veux pas? Parce que je le porte. Parce que je le porte. Bon. Voilà, il me semblait bien que ça semblait pas un carré vraiment. J'y suis maintenant. Ça m'a l'air bon. Ok. Voilà, on va se reposer un petit peu toute cette réflexion. Et travailler avec notre robot. Il va bientôt tomber à court d'énergie, mais c'est pas grave. En planté 20. Autant dire que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça reste raisonnable.
C'est cool que tout soit pas débloqué au début, et je trouve que même le fait qu'on puisse pas copier-coller les codes au début, bah, c'est de bonne guerre, on va dire. Ok, donc ça c'est bien. Je pense qu'à la main on peut pas. Hein. Non, on peut pas à la main. Ou bien une pelle. Je vais dégager tout. On a deux là donc. Hein. Ah tiens, là j'en ai qu'un. Ah, je pense que j'en ai qu'un parce qu'il était pas mûr. J'en suis plus si sûr maintenant. Pourquoi j'en ai qu'un? Il me semblait que le truc justement c'est qu'on en avait deux quand on les retirait. C'est peut-être tombé à côté. J'en ai qu'un pourtant. Je vais regarder dans les recettes. Ça me paraît étrange. Oh, c'est bien la bêche. Et on a champignons variés. Peut-être qu'on n'en a pas systématiquement deux. Peut-être que c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. On va essayer d'en retrouver pour... Peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment mûrs, je sais vraiment pas. Clic droit, c'est pas bon. Si on en a qu'un quand on récolte et qu'on donne à manger, après on en a plus. Champignons cueillis 7, champignons plantés 5, rangées, champignons variés. Après, on obtient des champignons variés. Ok, mais... Ah, là, j'en ai eu deux. Ok, donc ça risque de pas être vraiment soutenable. C'est pas trop. Technologie de stockage. Ah, cool. Amélioration pour sac à dos rudimentaire. Seau rudimentaire permet de transporter des liquides ou des particules de sable, par exemple. Sert aussi à traire les vaches. Tonneau. Petit silo. Empiler jusqu'à 3 silos pour obtenir de l'espace de stockage supplémentaire. Donc c'est pour tout ce qui ressemble un peu à un matériau un peu fluide, comme le sable, j'imagine. Pas trop. La nourriture pour vaches, je sais pas. Établi de qualité. Ça va être utile, mais on va pas se déconcentrer, on est occupé à autre chose. En même temps, je préférerais que le robot le fasse, donc je vais arrêter un petit peu, on va regarder un peu les nouveautés, ce sera plus intéressant pour nous. On va quand même dégager ça parce que ça va l'embêter. Allez, vas-y mon gars. Il est possible que j'ai vu un petit peu grand, mais écoutez, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Ok. Ah ouais, je pense qu'on en a deux quand ils viennent, quand on les a plantés soi-même et qu'ils deviennent très gros comme ça. À mon avis, là, j'en aurai deux systématiquement. Là, ils ont l'air bien gros, hein. Je suppose. Pas trop sûr, là j'en vois qu'un. On va encore attendre, je vais le laisser comme ça. Alors l'établi de qualité, voilà qui va nous permettre de faire des nouvelles choses. Ça c'est bien. Je sais pas trop ce que ça va me donner, donc mettons-le toujours quelque part, on pourra toujours le bouger facilement. Je vais le mettre pas loin de l'atelier normal, finalement.
celui qui me permet de faire mes robots. Mettons-le là. 4 bûches, 4 planches, 2 poteaux, 2 pierres. Tranquille, tranquille. On a des nouveaux trucs également ici. Je vais aller voir, je suis curieux. Passer l'amélioration pour sac à dos rudimentaire. Le scooter rudimentaire. Me demande des roues rudimentaires, enfin des engrenages en fait. Je sais pas encore le faire, mais ça je peux le faire. Eh bien. Quatre bûches. Je trouve que le rythme du jeu il est hyper bien dosé parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Si on automatise au max, bah, déjà il faut y réfléchir et il faut le mettre en œuvre, mais au moins après on est un peu plus tranquille, mais quand même on a toujours des petites choses à faire manuellement pour ne pas rester à regarder à rien faire. C'est vraiment pas mal. Hein. Quatre bûches, c'est un peu beaucoup ça. Alors j'ai toujours réglé pour qu'ils arrêtent de produire quand l'entrepôt, le truc est plein, mais bon... C'est un peu gênant pour la vue quand même. À un moment donné, je vais les désactiver ces robots et jusqu'au moment où j'aurai plus d'outils, je pense. Ça va me casser les bonbons, ça. Il a fini là, faut que j'aille le reprogrammer. Faut que j'aille le reprogrammer. Terrain. On passe du terrain vers le sol. Sol à proximité. Déplacer vers sol. Utiliser l'objet. Comme ceci. C'est bon. J'ai une quantité de pelouse de golf ici. Absolument énorme. On va lui faire planter les champignons. Probablement la main. J'ai encore fini de planter tout ceci aussi. Pour ça, il faut que je récupère. Une bêche. Bon, après, je râle sur la quantité de bêches que j'ai là, mais au moins. Au moins, j'en manque jamais. Faut bien avouer. Voilà, là, j'en ai eu 2. Allez, vas-y, fini. Je crois qu'on va finir nos objectifs aujourd'hui, quasiment. Les plantations, je n'ai plus que 7 à planter. Cueillir. Ah, il faut les ranger aussi, par contre. Ça, on a intérêt à commencer à s'y mettre quand même. Donc, je vais faire un stockage de champi. Pas loin ici également. Attendez, j'étais en train de faire quelque chose. Ouais, le nouvel atelier, mais il peut attendre celui-là. Faisons les choses dans l'ordre. Tonneau. Petit silo. Si je me suis, ce sera du même genre, hein, de même type de stockage, donc je vais pas le faire. On va mettre de l'autre côté ici. Parfait. Parfait, parfait. Ce sera les champignons, pas besoin de lui dire. 4 planches, 4 poteaux. Je serais content d'avoir mon petit scooter, ça on va quand même essayer de le faire en priorité au prochain épisode. J'imagine que c'est pour moi, pour pouvoir me déplacer plus vite. Ça, franchement, ça va être très utile. Pourquoi est-ce qu'il arrête? Attendez, il n'a pas du tout fini là. Seul à proximité, c'est bon ça?
jusqu'à avoir les mains vides, déplacer vers le sol, utiliser l'objet tenu. Vas-y mon gars. C'est pourtant bien du sol. Ça m'a tout l'air de déconner. Attendez. Sol à proximité. Je vais le redéfinir, mais... Déplacer vers sol, utiliser l'objet tenu. Pitié, ne me fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? On dirait que mon robot est tout pété là. Je comprends pas pourquoi. Ça va me gêner pour atteindre mes objectifs, honnêtement. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a plein de sol. Ok. Répétez jusqu'à avoir les mains vides. Je vois pas quel est le problème. Si je crois que c'est bon. Il est fou ce type. Je sais pas, il y a un truc qui le gêne là ou quoi. J'ai l'impression. Je vais lui prendre sa bêche pour voir si ça le... Si ça le débloque. Alors je vais l'arrêter et le relancer plutôt. Des fois ça règle quand même les problèmes. Bon. J'avais dit que je ferais un nouveau robot. Non, j'avais dit que je ferais ça, mais que ça pouvait attendre. Voilà ce que j'avais dit. Bon, est-ce qu'il a pris sa bêche? Ah non, il a pris sa bêche, mais il fonctionne toujours pas. Ok, on va... On va refaire. Sol à proximité, déplacer vers sol, utiliser objet tenu. Bon. C'est pas la mer à boire, il me semble. Pitié, vas-y maintenant. On dirait qu'il y a un problème avec mon sol. Qui est quand même très ennuyeux. Ça peut pas être ça puisqu'on est déjà dans la boucle. Je vais devoir faire les trous moi-même, c'est pas grave, on a le temps pour finir tout parce que... Ça m'embête quand même. J'ai le temps pour finir tous les trous nécessaires parce que... Je suis pas obligé de tout faire là. Il m'en manque pas tant que ça. Il me manque 7 champignons plantés quand même. Donc encore 4 trous. C'est peut-être à cause de la pluie. Peut-être que quand il pleut, les robots agricoles peuvent pas travailler. Après tout, pourquoi pas? Si ça se trouve, c'est ça.
En fait, je vois que ça comme explication. Donc en attendant, nous, on va travailler à la main. On en a 6. On en a 7. Monter, ça va très très vite. J'avais le compte en fait. Ok. Planter 20, cueilli 16, ranger 0 sur 20, mais ça va aller vite. Je vais le transformer en cueilleur. Est-ce que ça va le remettre en route ? Le glaneur, lui, il fonctionne sous la pluie. Hein. Lui, il s'est arrêté. C'est intéressant, celui qui devait faire les trous s'arrêter également. Le sol est plus reconnu à André quand il pleut. Bon, je vais pas y toucher alors finalement. Je vais le remettre en route. En espérant qu'il termine plus tard. Et on va programmer un cueilleur. On va faire un nouveau robot. Faut pas que j'oublie de terminer ceci en fait. 4 hein. Poteaux. Un nouveau robot. Cueilleur de champignons. Ah oh, oui, c'est ça. Excellent. Je trouve que vraiment le sentiment de découverte, il est trop cool dans le jeu. Les mecs, ils veulent pas travailler sous la pluie quoi. Le sol sans doute est trop mouillé, détrempé. C'est logique, on sait pas creuser de trous parce que... Bah ça devient de la boue quoi, donc ça va pas. Les trous tiennent pas bien. Pas mal. On prend 4. Alors apparemment plus tard on peut faire des routes, on peut faire des maisons. Ça va être cool. Une bûche. Faut que je choisisse un nouveau, une nouvelle recherche aussi. Vraiment envie de prendre la technologie robotique avant. C'est d'améliorer les robots. On va prendre avant. Juste un gland pour lancer le processus. Du coup, je pense que je peux m'en charger. Ok, on y va. Ah. Graine d'arbre 1 sur 1, non, c'est bon. Bien. 3 planches, un poteau, une graine. C'est parti. Le chargeur fait son office quand même, hein, c'est bien. Le poteau et la graine, on va plein par ici. Il y a également des nids d'abeilles, j'imagine qu'on pourra extraire du miel. Ok, donc lui on l'a appelé cueilleur. Ce serait idem. On aura besoin d'un planteur également du coup. Hein, parce qu'il faudra replanter. Ça peut encore attendre pour l'instant. Cueilleur. On va être plus précis ici puisque j'en ai plusieurs de champi. Alors, armé de sa, de son arme, il va venir ici avec le clic gauche, je pense, du coup.
Non, droit. Non, c'était gauche. Voilà. Champignons proximité, dépasser, utiliser l'objet, les champignons tombent. Ah oui, mais on... Donc ça va être le glaneur en fait, ça va pas être le... Glaneur champi. Pour toujours, jusqu'à avoir les mains vides. S'il a les mains vides, il vient prendre ici une bêche. Et voilà. Il va pas faire grand chose d'autre. Le brave, donc il m'en faut un autre. Ce serait cool d'avoir un robot qui nous automatise la fabrication d'autres robots, honnêtement. Ah. Mais je sais pas comment... faire qu'il en met dans un... On peut pas les mettre dans un stockage, donc je vais pas pouvoir limiter la production, j'ai l'impression. En tout cas, comme ça, a priori, je vois pas comment faire. Donc ça m'ennuie un petit peu et je préfère le faire à la main. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Et ce serait cool si je pouvais, si vous avez une idée... produire des robots un petit peu à l'avance pour en avoir toujours un sous la main. Facilement disponible. Ça me ferait plaisir. Le glaneur, voilà, il fait tomber les champignons, il les replante pas. On va s'occuper du planteur après. C'est lui. Planteur de champi. Alors toi, c'est pas trop compliqué parce que tu dois... Il y en a qui vont tomber dehors. Mais on va mettre la zone un peu plus grande. Pas de problème. Tu vas ramasser un champignon. Et tu vas le planter. Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire. Sauf que le trou... La zone du trou est la plus petite. Voilà, planteur de champignons, c'est parti. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde à recharger aussi, tout ça. Hein. Je vais aller en mettre quelques-uns dans la réserve, déjà. Les petites étoiles, c'est quand on avance, je pense, sur ces trucs-là. Faut pas que j'oublie que je dois encore planter des baies aussi, moi. Est-ce qu'on a tout ce qui... Faut pas que j'oublie ça. Il me reste quand même encore 9 à planter. Hein. Le mec qui fait des trous là, pourquoi est-ce qu'il fait plus de trous là? C'est normal ça. Pourquoi est-ce qu'il trouve pas de sol à proximité? Le temps n'est pas bon encore ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il devrait être bon. Il y a juste un problème avec mon système, c'est que là on va devoir en fait, quand on exploite les champignons, le trou est disparu. Il faut refaire un trou. Ok. Donc lui, il est quand même être amené à maintenant à être pérennisé en... son IA, elle va rester de toute façon maintenant. Donc... creuseur pour les champis. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air de lui plaire.
pas les mains vides, donc je comprends pas. Bon, le temps n'est peut-être pas bon, j'en sais rien. C'est peut-être pas le moment pour eux de le faire, je sais pas. Et en tant que creuseur, je ne sais pas pourquoi ça lui plaît pas plus que ça de continuer, honnêtement. Ça me surprend un peu. Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que je peux pas le porter non plus? On dirait que ça déconne. Dans ces cas-là, le mieux c'est de recharger. Donc je vais pas essayer de débugger là, ça me paraît pas normal. Par contre, là, il n'y a pas besoin de faire des trous ad vitam aeternam. Hein. Faut juste qu'il termine de planter. De faire des trous. Donc, je vais devoir les faire à la main si on veut terminer aujourd'hui. Ce qui n'est pas vraiment grave. Parce qu'il n'en reste que 9. Maintenant 8. On dirait que le mec qui fait des trous est reparti à gauche. Je pense que j'ai vu un petit peu grand, mais moi ça m'amuse de le faire ainsi. J'avais pas envie de faire un tout petit carré et devoir revenir dessus après. Donc on fait des belles plantations. Parce que c'est ça qui nous plaît. Ça me fait 6 trous. Il en faut 9, encore 3. Après planter, ça va beaucoup plus vite. J'ai encore des trous là en fait, on peut arrêter après. Encore une. Ok. Préparation, fission officielle. Culture de fruits. Le haut d'aventurier. Je pense qu'il faut faire de l'armoire pour pouvoir se changer. Je l'ai débloqué, on le fera la prochaine fois. Qu'est-ce donc? Une toute nouvelle série de plans à compléter, des certificats à gagner? Oui. Ah, j'ai tout fini. Cool. Ok. Excellent. On verra ça ensemble la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à tous et à très bientôt.